tout va se passer très vite. L'agent de police, Retain Singh, s'approche du véhicule de Samuel Dubose. Il lui demande son permis de conduire. Le conducteur refuse d'obéir et redémarre. En une fraction de seconde, le policier dégaine alors son arme et tire. La voiture finit sa course sur le bas-côté. Samuel Dubose, lui, est mort d'une balle dans la tête. Il n'avait pas affaire à quelqu'un qui était recherché pour meurtre. Il avait affaire à quelqu'un qui n'avait pas de plaque d'immatriculation. C'est en langage fleuri une interpellation assez pourrie. S'il commençait à partir en roulant, sérieusement, laissez-le partir. Vous n'avez pas à lui tirer dans la tête. Retain Singh a d'abord déclaré aux enquêteurs qu'il avait été traîné par la voiture qui avait manqué de lui rouler dessus. Les images filmées par la caméra qu'il porte sur lui montrent le contraire. De plus en plus d'agents sont équipés de la sorte aux États-Unis, car depuis un an, plusieurs policiers blancs ont été impliqués dans la mort de Noirs. En août dernier, le décès de Michael Brown avait provoqué de violentes émeutes dans la ville de Ferguson. Il avait été abattu par un policier alors qu'il n'était pas armé. Désormais, la Maison Blanche et plusieurs États encouragent les municipalités à munir leurs policiers de ces mini-caméras pour obtenir des preuves. Face à la multiplication de ces bavures, le Washington Post a réalisé un recensement inédit aux États-Unis. Selon le quotidien, la police américaine a tué 385 personnes entre janvier et mai 2015. Parmi les victimes qui n'étaient pas armées au moment des faits, la grande majorité était noire ou d'origine hispanique.